Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On fait la review du numéro 56 de Mortal Realms avec le Chevalier des Suaires dedans. On regarde en détail la grappe. Bon, comme d'habitude, qualité de gravure exemplaire. Hein. Il s'agit du Knight of Shroud, une figurine qui est vendue sur le site de Games Workshop à 27€. Et ici, vous l'aurez à 10€. Un tout petit peu moins de 10€ puisqu'il est à 9,99€. Donc très belle gravure, comme d'habitude, le petit surplus pour le socle qui est fourni avec. On passe au fascicule. Dans ce numéro 56, on va parler des filles de Kane, donc du Chevalier des Suaires, Knight of Shroud, avec la charte d'unité et le petit plan de bataille. Donc les filles de Kane, dérivées donc des anciennes elfes noires. Voilà, voilà. On passe ensuite au hard de guerre issu du chaos, tout ce qui va être Minotaur, Rumbet et choses comme ça. L'éternel renouveau, une petite description du monde de Jiran, c'est la troisième partie où on va évidemment parler de Nurgle et particulièrement des frères Glott. Les Glotkin. Petit chapitre d'historique sur les Knight Vexillor, sur les Stormcast, donc les Chevaliers Vexillor. Beaucoup d'historique cette semaine, je trouve, par rapport à la dernière fois où on avait plus de... beaucoup de peinture, je trouvais. Donc le guide d'assemblage. Voilà, le guide de peinture. La charte de l'unité. Terreur dans la crypte avec une illustration venant de Warhammer Underworld. Et un plan de bataille. Et évidemment, ce qu'il y aura dans les prochains numéros. La prochaine, je vous présenterai le numéro 57. Si j'ai de la chance qu'il arrive de bonne heure, ce sera peut-être même samedi. Parce que là, je l'ai eu un petit peu plus tard que d'habitude. Sinon, le 58, je ne le ferai pas, puisque c'est que de la peinture. Et j'ai ce qu'il faut. Voilà les hobbyistes, on fait le récapitulatif, donc le fascicule. Assez intéressant au niveau du fleuve, je trouve, cette fois-ci. Et puis la grappe de figurine, bah, toujours aussi belle, de qualité. Voilà, voilà, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, on partage partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous cliquez sur le rond qui s'affiche ici et vous vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous !